Nous allons maintenant nous intéresser au circuit RL. Nous allons voir qu'on va retrouver exactement les mêmes résultats que pour le circuit RC, sauf que on va s'intéresser plutôt à l'intensité du courant. Donc au lieu de la décharge, la charge et la décharge du condensateur, on va avoir l'établissement ou la rupture du courant dans le circuit. Donc le circuit RL, comment il va s'écrire? Le circuit RL, comment il va se dessiner? Donc on va avoir un générateur, deux FEME, une résistance et une bobine dont on va négliger la résistance interne. On va prendre la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la bobine. On va aussi avoir besoin de la tension aux bornes de la résistance. Et donc on peut flécher l'intensité du courant dans le circuit. Toujours la loi d'Émaille qui est utilisée. On va écrire que la tension aux bornes du générateur est égale à UR plus UL. On va faire apparaître l'intensité du courant. Donc on va écrire R fois I pour la tension aux bornes de la résistance. Et la tension aux bornes de la bobine, ça fait L DI sur DT. Par définition, ce qu'on a vu sur la bobine. C'est le phénomène d'auto-induction qui donne ça. On va réorganiser l'équation différentielle. On va obtenir DI sur DT plus R sur L I égale E sur L. Puisqu'on a tout divisé par L, voici l'équation différentielle du premier ordre en intensité. Donc, comme pour le condensateur, on va étudier un premier cas où on va voir E sur L. Ça sera pour l'établissement du courant. Et si on met 0 à la place de E sur L, on aura la rupture du courant. Exactement donc comme le cas de la charge et décharge du condensateur. Donc, intéressons-nous à l'établissement du courant. Donc, on répète, on rappelle l'équation différentielle. Trois étapes. La première, c'est la solution homogène. DI sur DT plus I sur taux. Toujours, on va poser un taux, on n'a pas écrit, mais taux égale L sur R. Temps caractéristique de l'évolution du système. Égale à 0, puisqu'on traite l'équation homogène. La solution va être égale à I égale à A exponentielle moins T sur taux. Deuxième étape, la solution particulière, qui a la même forme que le second membre. Le second membre étant constant, le sur L, on a une solution constante. Et on va trouver I solution particulière qui va valoir E sur R. On ajoute les deux solutions et on cherche les constantes. Donc on va avoir I de T qui est égal à A exponentielle moins T sur taux plus E sur R. La condition initiale, à T égale 0, il n'y a pas de courant dans le circuit. I de T égale 0 égale 0, qui va être égal à A plus E sur R, ce qui signifie que A est égal à moins E sur R. Ça nous donne I de T égale moins E sur R exponentielle moins T sur taux plus E sur R, ce qui donne I de T égale E sur R 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voici encore un résultat à connaître. On parle de l'intensité dans le cas d'une bobine et on a l'établissement du courant qui se fait avec un retard, comme on l'avait vu dans les phénomènes d'induction. Et on a une exponentielle croissante, donc on peut la dessiner. On va avoir I de T, une exponentielle croissante jusqu'à une valeur asymptotique de E sur R, une ordonnée à l'origine, une tangente à l'origine qui va donner naissance au taux, et au bout de 5 taux, le régime permanent est atteint. On peut s'intéresser à la tension aux bornes de la bobine puisqu'on a L dI sur dT. Donc L dérivé sur dt,
de la fonction qu'on vient de trouver, e sur r facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, l d sur dt de e sur r moins e sur r exponentielle moins t sur tau. Et donc, on va avoir du L moins E sur R. On dérive, il y a moins 1 sur tau qui sort. Exponentielle moins T sur tau. Finalement, on a L, E sur R. Le tau, c'est L sur R. Donc ça va faire L sur R comme ceci. Exponentielle moins T sur tau. Les R se simplifient, les L se simplifient. Et la tension aux bornes de la bobine va s'écrire E exponentielle moins T sur tau. La fonction mathématique associée, on a une exponentielle décroissante comme ceci, avec un départ à grand E, et puis toujours pareil, tangente à l'origine avec un t égale tau. On peut remarquer que la fonction u l de t est discontinue, puisqu'avant t égale 0, on avait une tension qui était nulle. Donc ici, on a une discontinuité. Donc il y a vraiment un parallèle entre ce qui se passe avec la bobine et ce qui se passe avec le condensateur. Parlons de la rupture du courant. Donc la rupture du courant, comme on l'a dit, on a l'équation différentielle avec un second membre qui est nul, dI sur dt plus R sur L, I est égal à 0, ou dI sur dt plus I sur tau est égal à 0. Donc on trouve la solution rapidement, I de t égale A exponentielle moins t sur tau, à t égale 0. Le courant va aller E sur R, qui est égal donc à A. On trouve I de t égale E sur R exponentielle moins t sur tau. La représentation graphique est la suivante. Maintenant, on a l'habitude. On va démarrer à E sur R et terminer avec une exponentielle décroissante à 0. La tension aux bornes de la bobine, L dI sur dt, on va donc dériver E sur R moins 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau. On va obtenir quelque chose de négatif, donc moins L E sur R, le tau c'est L, R comme ceci, exponentielle moins t sur tau. Les R s'en vont, les L s'en vont, et il nous reste la solution UL de t est égal à moins E exponentielle moins t sur tau. La tension aux bornes de la bobine lorsqu'il y a rupture du courant. On peut dessiner la fonction. La fonction mathématique associée, on va avoir quelque chose de négatif. UL, en fonction du temps, on part à moins E et on obtient une exponentielle croissante mais négative. Je voulais apporter une petite précision sur la détermination de tau. Alors ce tau, on peut le déterminer grâce aux tangentes à l'origine qui vont couper les asymptotes à t égale tau. Donc ici, pour la charge du condensateur par exemple, ici la rupture du courant, on a la tangente à l'origine et puis le tau ici. On entend aussi souvent parler du 63% et du 37%. 37%. Alors d'où viennent ces valeurs-là? Eh bien, c'est l'endroit où le t égale tau coupe la courbe rouge. Donc si on regarde ici et ici, ça va correspondre à 37% de la valeur max. Donc là ici c'est i par exemple, donc ça c'est 37% de i, et ici on a 63% de e. D'où ça vient?
Eh bien, tout simplement, si on remplace ici UC de taux, on a E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Et cette chose-là vaut 0,63. De la même manière, I de taux vaut E sur R exponentielle de moins 1. Et cette chose-là vaut 0,37, tout simplement.